Bonjour à tous. Alors, comme je recommence tout à zéro sur ma chaîne, donc je vais et puis que je m'adresse à ceux qui débutent juste aussi, je vais vous faire voir quand même ce qu'il est on peut faire sur Blender, ce qu'il est possible de faire. Pas tout de suite, peut-être, faut quand même attendre un petit peu, prendre tout ça en main. Je vais vous faire voir quelques-uns de mes rendus. Voilà par exemple une de chevaux. Alors cette de chevaux, savoir qu'elle a tout, elle a même la mécanique, même le circuit électrique, le faisceau électrique, tout, 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 tout. J'ai passé, je sais plus combien de semaines pour faire ça. Voilà. Mais là, vous avez puisqu'on est dans les voitures, une 4L, une Bugatti type 35, c'est pareil. Alors là, il n'y a pas la mécanique dessus. La 4L, elle est là, mais une mécanique un peu spéciale. Mais voilà, sinon, tout est modélisé, tableau de bord, les sièges, tout, 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 tout. Tout l'intérieur est fait aussi, sur les deux. Qu'est-ce que j'aurais comme voiture à vous présenter? Bon, j'en aurai d'autres, hein, j'en ai fait d'autres. J'ai fait une Simca 1000 Rally, j'ai fait bon, tout un tas de trucs. Après, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah, voilà, un intérieur de maison un peu ancien et campagnard avec un rouet, une pendule, une cuisinière à bois, tout ça, voilà. Le HY, hein, le HY, voilà. De Louis la Brocante. Ma Dush. Voilà, encore un autre modèle de Dush. Pareil, celle-ci, mais c'est comme l'autre tout à l'heure, là, tout le moteur, le circuit électrique, tout, tout, tout. Le HY, une autre vue du HY, vue de nuit, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Il y en a tellement, tellement, tellement. Des potiches, là, vous voyez. Ouais, voilà. Une lampe de banquier. Ah, les trois voitures ensemble, là. C'est-à-dire la traction, la 4L et la Bugatti. Voilà. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup des appareils photo. Voilà. Anciens, des appareils photo anciens. J'ai fait. Mais c'est bon, il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Là, et après, en lourd, hein, disons, là, voilà, il y a le téléphone. Là, c'est une modélisation très compliquée. Mais bon, voilà, passer beaucoup de temps dessus. Puis d'autres beaucoup plus simples, je peux faire des choses très simples comme ça, par exemple. Voilà, c'est des objets que j'adore modéliser. Bon. Il y en aurait, simplement, vous voyez, les petits haut-parleurs d'ordinateur, voilà. Aussi. Alors ce que je vais faire, je vais vous mettre une vidéo, vous allez voir, c'est une vidéo que j'avais fait pour une intro, je vais vous la passer, et je vais vous passer aussi celle de la traction avant, vous allez voir la suite, donc l'intro d'abord et la traction avant après, et puis voilà, ça va vous donner comme ça une petite idée de ce qu'il est possible de faire avec Blender, hein, voilà. Et j'en profite pour saluer tout le monde et vous dire donc à très bientôt. Au revoir.